Sector is clear. Give us everything we got! All wings! Et salut tout le monde, c'est Wariox. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Star Wars Battlefront 2. Et là on s'est laissé la dernière fois en cherchant des infos sur monsieur Paldora, ou madame Paldora, je ne sais pas. Waouh. Alors là il faut chercher des infos, donc j'en cherche. Le jeu est toujours aussi beau hein. Parce qu'on va en plein moyen d'âge, c'est sublime. C'est quand la dernière fois que tu l'as vu ? Alors par contre, racontez pas ça à votre prof d'histoire. Ah bah c'est... Oh mais je suis dingue, c'est marqué interagir, mais non, j'y vais pas. Hein. En fait, j'aimerais descendre en bas, parce qu'en bas, c'est là où il y avait les visions de Rey dans Star Wars 7. Et vu que j'ai pas encore vu Star Wars 8... Ouais, parce que... Les trois vidéos, là, que je suis en train de faire trois vidéos d'affilée. Comme ça, après, je les passe. J'imagine qu'il faut que je vais en bas. Ah, je peux courir, enfin! J'ai la liberté de courir! C'est discret au moins? Eh, monsieur Paldora! Ça il s'est reculé d'ailleurs de dire c'est là ma place! Sous-titre! Vous me confondez avec ce. Type insupportable à l'étage! Autant pour moi! Pardon, je fais que passer! C'était pas ici dans le vent, c'est souvenir. Bon, après, là, il peut rien avoir vu que c'est avant le 7. Après, je sais pas si ça va être après le 7, j'en sais rien. Je crois pas, normalement c'est avant. Voir des personnages du 7, ça serait bien. Et là, je peux plus courir, bizarrement. Ah, là, il veut. Ouais, bah, je le sais, justement, je veux courir. C'est marrant parce que j'ai mon viseur pour dire je tirais. En plus, j'ai mon blaster. Je peux pas le sortir. C'est un aigle, j'adore les aigles. Mais c'était pas un aigle. Soutien. Étrange, tu ressembles à un ami à moi. Il s'appelle Paldora. Tu me confonds avec cet abruti qui boit du Merenzan Gold. Il a de quoi se payer un verre de Merenzan Gold. Ouais, ça fait envie, pas vrai? Bah je suis au dernier étage là, non? C'est lui? Apparemment non. C'est pas marqué. Je pourrais courir un petit peu plus vite, ça là, je serais content en fait. Un barbu, c'est pas lui, ça c'est sûr. Mais je suis au dernier étage. Eh, je cherche monsieur Paldora. Ah, ça a l'air d'être toi. Je me recule. Je suis Rassus Paldora, spécialiste impérial. Ravi de vous rencontrer enfin. Chut, pas si fort, enfin. Ah oui, c'est vrai, c'est un rendez-vous incognito. Allez, il faut qu'on vous sorte de là. Alors c'est parti. Je vais en sortir Paldora. Il est enfermé ou quoi? Enfin là, il est pas vraiment enfermé. J'ai caché deux cubes de données dans les bois. Putain, il y a eu un dessin. Non, mais vous vous il y a quelqu'un là à droite, je sais pas le si c'est un Mister Egg. Les itinéraires de l'Empire, leur c'est Chewbacca leur cache d'armes secrètes. Non, ça a pas l'air d'être ça, ça a l'air d'être un monstre. Si elle peut garantir ma sécurité. Et pour vos renseignements sur Kashyyyk, ils sont ailleurs. Faites-moi confiance, j'ai tout ce qu'il vous faut pour libérer les boutons. Dites-moi comment vous savez tout ça. Les officiers ils volent. Bouh! Ah, t'as eu peur, hein! Ah, il s'est arrêté! Ça marche tout le temps, ça! Quand on était petits, on a toujours fait ça, nos potes! Attends, tu m'excuses deux secondes? Allez, je redanse! Allez, allez, allez! Bon, c'est fini! Attends, je peux pas avoir un dernier verre avant! Cinématique, là? Ça sent tellement! Après que j'ai fait ça! Ah, qu'est-ce que j'ai dit.
C'est logique. Évidemment, la plupart des statisticiens sont tués par des apprentis. Pour ça. Des amis à vous. Laisse-moi deviner, je suppose que c'est ta faute. Ouais, on n'est pas dans Star Wars 7, les gars. Rappelle-moi quelle est ma règle numéro 1, Han Solo. Pas de bagarre. Bon, allez, il faut qu'on bouge. Ne pas se faire repérer, c'est ça? J'ai caché bon, le il a sorti son blaster, donc c'est bon. Juste là. Alors, j'ai envie de faire un truc, c'est ça après. Vous pouvez que ça marche? Vous pouviez vraiment pas avoir les. C'est tellement épique ça, apparemment. Je suis un agent double. Appuyez sur pour en savoir plus sur les capacités d'Han Solo. Ok, merci. Oh, c'est magnifique. Qui peut faire des attaques furtives? Je crois pas. Oh, comment il marche? Ta. Ah, par contre, ses bottes, ils sont déjà sales. Hein. Bah, bravo. Hein. Je vois un stormtrooper. Pas un bruit, on va les neutraliser. Non, ça, c'est trop travail. Ce blaster est trop décoratif. Quand tu dis pas un bruit, tu vas bien sûr les éliminer furtivement par l'arrière, hein. Parce que tu vas pas du tout faire. Lui est tout seul là-bas, je pourrais me le prendre. Il est pas tout seul. Ah mince. Bon allez. Clac. Oh, ça marche. Au revoir. Ça va péter. Ah ouais, ça pète bien. Hein. Ah, ça pète bien, ouais. Paf. Je suis absolument... Oh, c'est puissant, sauf que je vais crever. En même temps, j'ai fait mon con, hein. Ça se voit. J'ai jamais dit que j'allais mourir. Est-ce que je peux... Je peux même pas faire d'esquive. Wouah. Ah, c'était une très mauvaise idée. Ça marche mieux pour un héros en fait. Oh, à travers, ça buguait. Ah, fallait appuyer pour faire exploser, je savais pas. C'est nouveau ça maintenant. C'est tout? Ah non, j'allais dire sinon je serais déçu. Wouhou! Ah, mais non, mais quel con! Bah oui, bah en même temps. Ah, t'as mal au bide, bah c'est normal. Tu sais, un tir de blaster, ça va pas te faire des guidis, hein. Ah non. Ah, je te jure. Oh non, mais t'es lourd, là, à me faire deux chargements d'affilée. Pas la troisième, s'il te plaît. Ah non, c'est nul, je peux revenir là. Je peux revenir là. Mince, pas de bagarre, t'inquiète. Attends. Maz, pas de bagarre. Ça a explosé à l'intérieur. C'est quoi là, j'y vais YOLO. De toute façon, il n'y a pas de moyen d'être discret, je trouve. Regarde ça. Oh, m'énerve. Est-ce qu'il peut lancer ça là-bas? Oh, parfait. Boum. Cours. Saute aussi. Ah, ça m'aurait juste aveuglé. Je vais contourner, mais viens avec moi aussi. Je suis sale, oui. Au hasard. Ça n'a eu aucun, je crois. Mais c'est pourri ça. Ah. Je vois plus rien. En fait, ça marche plus pour l'héros quand c'est des gros personnages, mais là. Oui, je l'ai vu lui là-bas. Ah mais attends aussi, ils sont partout. Un peu de terre, s'il te plaît, voilà, merci. Voilà. Moi maintenant une balle ça marche.
Il y a beaucoup de dialogues, ça c'est plutôt bon. Oh mais non, mais t'es sérieux, t'aurais pu aller courir un peu plus. Hein. Quoi? Et ça marche pas. Ça pour vous dire un truc, c'est pas du tout de la rage, hein. C'est juste de l'étonnement. J'avais de la vie pourtant, j'ai pas vu que j'étais en rouge. Oh mais t'es lourd avec tes deux chargements. Bon là vraiment j'y vais YOLO. Quand je dis j'y vais YOLO, j'y vais YOLO. J'ai caché le premier cube de données dans un... C'est parti. Yo. Ah oh, je vais courir un peu plus. Vous pouviez vraiment pas avoir les données sur vous, hein. Et là tu cours. Il y a pas la traîne, hein. Des stormtroopers. Pas un bruit, on va les neutraliser. Pas un bruit. Oh oh. Damn it. Apprends à viser. C'est pas facile à viser, hein, je vous le dis. Non, sinon après ça serait trop. Cours. Black. Merde, là, putain, manque, c'est bien. Ça devrait attirer leur attention. Holy shit. Ta ta ta. Non, 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 non. C'est bon. Tout est une question de timing. Ok, hein, super. Toi, je vais te docker. Ça n'a rien de personnel. Mais ça n'a pas marché. Quoi ? Mais qu'est-ce que... Il y a des trucs qui explosent ? J'ai pas compris ce qu'il faut faire. J'ai vraiment pas compris, en fait. Est-ce qu'il faut pas que je tire sur les caisses ? J'ai pas compris. Dépêche-toi, chargement. Au pire, je les tue à distance parce que là... Une exploseuse, ça tue directement. Bon, cette fois-ci, celle-là, je l'ai, c'est sûr. Atteindre le générateur. Ah, il fallait atteindre le générateur. Vous pouviez vraiment pas avoir les données sur vous, hein. Et ensuite, je fais quoi? Des stormtroopers. Pas un bruit, on va les neutraliser. Des explosifs improvisés. Non, ça, c'est... Vous vous placerez pour vos décors. Oh non. Super. C'est... Toi tu vas exploser à la gueule, t'as l'air, je sais plus. Il y en a tellement, en fait, je sais pas qui viser. C'est ça qui va exploser dessus. Non, c'est ça. Voilà. Ouh, ce que je lui ai mis. Sans trop faire voler. T'es sale, toi. Oh, la pack de balles. Stylé, 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 stylé. Il y a encore la fumée, par contre. Où es-tu? Il est où? Ah, bonjour. Je vais le regretter. Impressionnant, Han Solo. C'est mieux fait en multi quand il tape au bien. Na 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 na. Bah, le donner est ici, ok. Ok, ouais. Ça devrait attirer leur attention. Il n'y a plus personne, Han Solo. Oh, ça fait très mal. J'ai mis un truc dans la tête. Ah, c'est ça. C'est quoi ça? Est-ce qu'il va l'ouvrir avec ses mains? Ou alors ça va s'ouvrir tout seul? Parce que là, j'ai pas de robot. Ah! Soulant? Il ouvre avec ses mains, tant mieux. Ah bon, il met un code. Je l'ai. C'est plus facile. Les informations de ce cube de données devraient aider vos amis de la République. Attention! On voit les dents! Souhaitez-moi bonne chance! Oh, je... Par contre, attends. Quand je vise pas, ça peut galérer en fait. Où sont les renseignements sur Kashyyyk? Oh shit, t'as d'explosifs. Près d'un joli sanctuaire dans la forêt. En avant!
On doutait qu'il restait en plus. Un tas de jolis sanctuaires. Oh, je crois que c'était Jedi. Par contre, là, je suis passé. Je suis vraiment con. Ah, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Justement, faut y aller dedans, je crois, non? Ah, il y a bien couru là. Ils m'ont même pas vu. Tais-toi. Super intéressant, mais caché dans tout ça. Vous êtes sûr que vos informations peuvent aider les Wookiees? Ça vous mènera. T'as passé par où toi? Ah, il y a deux tuyaux. Pas grand chose, mais tu vois, on va fermer ces champs de travail à nous deux s'il le faut. Ah oui, le puissant Chewbacca. J'ai hâte de... Ah, moi aussi. Vous semblez inquiet. C'est parce que Maz vous en veut. Je suis sûr que ce sera vite oui. Ça prouve que vous la connaissez. Tout est une question de timing. Ouh, j'en ai eu là. Je vais vous attendre ici. Dans la tête ce que je lui ai mis, je sais pas si vous l'avez vu, c'était tout cramé. Oui, bon travail, mon nouvel ami. Alors au début, il dit c'est pas terrible l'émission parce que c'est un peu répétitif avec Inversio, mais là, c'est vraiment mieux parce que. Hop là. On joue un peu les héros et tout, c'est vraiment mieux l'histoire. Alors tu viens. Eh ben non. Dans le crâne aussi. C'est con ça, hein. Dans le côté gauche. Gauche pour lui, hein. Esquive. Et bim. Ouais, ça pourrait marcher. Oh, j'aime bien quand il vole. Oh, c'est les trucs d'Aladin. Je veux que cette aventure dure longtemps. Pitié, je veux casse-couille, voilà, au revoir. Ça disparaît automatiquement. Ce qui est marrant, ces graphismes sont super, mais des années plus tard, on dira que ça c'est nul. Parce que ça aura tellement augmenté. Regardez des graphismes dans 4 ans. Quand vous regarderez ça. Alors bien sûr, c'est joli, mais bon, est-ce que ça sera plus tard, ça n'aura rien à voir face à ça. Attention, ça va exploser. Je profite de la fumée pour faire diversion. Ça marche pas du tout. Pour moi, ça marche, ok. Alors, par contre, mourir, ça marche bien. Ah, il s'est mis pile dans le creux, ça c'est sympa. Malgré que c'était pas fait exprès. Prouvez. Je me baisse. Ça va péter. Et quand je tire mal aussi, c'est avec les graphes. Pas très bien. Oh, là. Ça devrait vous aider à atteindre la planète des Wookiees. À présent. Il faut mon vœu, toi. Vous connaissez le faucon? What? En moyenne, je dirais que. Il me fait coucou. Oh, c'est mignon. Ah, c'est parce que je voulais faire. Ils sont où? Ah, ils sont là. Ça devrait attirer leur attention. Ah, je l'adore quand ils volent. Ça me rappelle l'épisode 7. Aïe. Alors, oh, tu m'as collé une sale balle. Hey, derrière toi. Et ça n'a pas marché. Je mets mon bras gauche vers la gauche. Oh, cette phrase. Et je me concentre. Qui veut me tirer dessus? Apparemment, c'est là. Le faucon? Quoi, ton faucon il est là? On va juste passer en. Bonjour, voulez-vous exploser? Boum! Mais c'est magnifique! Un peu loin là. Ah, je te prends les dents pour moi. L'équipement lourd impérial! Nouvel objectif, aider Chewbacca! Touche Chewbacca! Je sais pas, j'ai improvisé un truc. Ah! Non, j'ai lancé ma grenade. Bon, bah, Chewbacca, adieu. Oh, cette musique quand je dis ça, c'est.
C'est stylé. J'espère une cinématique avec Chewbacca. Allez! Arrête de me faire l'étoile de la mort. Non, l'étoile noire, pardon. L'étoile de la mort, c'est celle qui détruit. Quoi, je reviens pas? Non. Bon, ok, tout le monde, 3, 2, 1, la scène. Bon, j'avoue que ça, c'est pas trop compliqué. Oui, ça devrait vous aider. Et tais-toi. Toi, toi dans le cœur. Ah, pardon, attends, on joue la scène. Ah, j'ai raté, attends, tout rejouer. Sérieux. Sérieusement, quoi, mais... En même temps, je joue au con. Ce serait pas marrant d'être fort, en fait. Je me laisse. Allez, salut. Bon, là, ça a moins bien marché. Repli. Je me replie. Mais qu'est-ce qu'il fait? Le mec, il donne un coup de poing. Regardez, hop. Attends, je te... Attends, mais... Il est loin à la détente. Ça fume, hein. Oh, il a atterri ici. Ah, hey, c'est la meilleure position pour dormir. Déjà, elle est inconfortable. Mais bon. Allez. Non, je ne joue pas sur PC. C'est beau, il faut qu'on ait une ça. Oh, il a esquivé. Petit headshot. Moi, je t'ai vu. Il y en avait un, non? Ça va péter. Shit. Chewbacca. Je suis là. Attends, attends, qui c'est qui me tire dessus? Oh, oh. Non, 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 non. Taisez-vous et courez, d'accord? Sa musique de Chewbacca en plus. Je vais contourner. Mais y a pas moyen d'être discret quoi. Ah, le Faucon Millenium, aïe. Et où? Ah, il est là. Oh, l'officier. Voilà, headshot. C'est un peu lagué mais c'est pas grave. Avant tout, détruire ça là-bas. On ne détruit pas. Ah bon, par contre, j'en ai vu là. Ouais. Bon, tu arrêtes maintenant. Oh, j'ai calculé. Oh, t'es saoulant, Bill. Qu'est-ce bruit là? Il y en a plein qui vont arriver là-bas. Attends, il faut que je mette une grenade. Il n'a pas marché. Hé hey! Mais ça va pas toi avec ton joujou. En fait, il y a comme la princesse Leia, très peu de vie. Hein. Et j'ai l'impression qu'il est plus fort que la princesse Leia, ce qui n'est pas logique. Aïe, aïe, aïe. Et moi aussi je suis foncé dans les personnes, hein. Ce qui n'a pas marché. Mais tu peux... Qu'est-ce que... Il y a des bombes là-bas, ah non. Il y a des bombes de partout, je vois plus rien, je vais crever. Mais Chewbacca, viens m'aider! J'ai connu des jours meilleurs! J'ai un point de vie! Récupère! Vite! Au! Oh. C'est moi qui a fait ça? Ah non, j'allais dire!
Non, non. Eh, mais remettez-moi pas à zéro, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Logiquement, je suis arrivé tellement loin que non. Mais s'il vous plaît. Qu'est-ce que je fais, moi ? J'ai eu peur. Taisez-vous et courez, d'accord ? Je vais les retenir. Pourquoi ? Il est où Chewbacca ? Je l'ai pas encore vu, hein. Ouais, c'est bien d'entendre des bruits, mais je veux te voir. Attention ! Attention ! Je l'avais dit. Oh. Oh, mais j'essaie de jouer à cache-cache avec lui, regarde. Hop. J'ai mis une grenade vers le vaisseau. 3, 2, 1, 0. Allez. Et tu crois que t'es caché là en plus? Et où? J'ai une idée. La navette arrive. Attention. Grognement de Chewbacca. J'aime trop les sous-titres. Des jours meilleurs. Allez, faites exploser. Ils vont revenir là, ça va exploser. Voilà, joli. Il m'a lancé une grenade. C'est-à-dire que cette journée n'est pas si mal en fin de compte. Oh, je peux faire la deuxième étoile. Général Solo, c'est Iden Versio qui vous parle. L'espoir d'une ah, Iden. Bon sang, ce que je suis content de vous voir. Qu'est-ce qui vous amène? Non, tu la vois pas, tu l'écoutes. Oh, Han Solo, dis donc. Qu'est-ce que c'est que... Il m'a envoyé un missile? C'est le pire jour de toute ma vie. Ça pourrait marcher. Mais pas moi. Mais on a des tas de TIE en approche. Quoi, des TIE? C'est quoi des TIE? Bon, une fois, ce serait bien. Ah, des tas, des chasseurs. Ouais, ouais, ok. Ça serait pas aussi drôle, général. Est-ce que je peux mourir dessus? Non, Piloter le Faucon Millenium. Ah, oui. J'y vais. Le sprint que j'ai fait. Allez, je peux le piloter. Est-ce que je peux voir Chewbacca d'abord? Chewbacca! Vous avez peur de le dessiner ou quoi? Même si vous avez déjà dessiné les Wookiees. C'est la base! Abonne-toi! Mais non, mais en fait, j'ai fait exprès, mais je voulais faire un retourné. Un truc comme ça. Attends, je vais mettre un peu plus haut. Je voulais faire ça. Mais c'est magnifique, regardez. Eh, c'est dans le trailer là. Ça quoi ça? Ah, c'est la canonnière bio ça. Détruire. Allez, on va l'envoyer voir le fond du lac. Oh, ça ne va pas du tout les ramasses. Allez, allez. Wouh, ça a passé à côté. Les torpilles à protons sont armées. Excessif, mais efficace. Nyeon. J'avais pas de chance. Enfin, j'avais... Tu vois, je dis un truc, mais je lis en même temps, donc... J'avais pas le choix, c'est ça que je voulais dire. Je peux mettre un peu plus haut aussi. J'ai le truc sur moi. Allez, doucement. Tiens, salut, Maz. Toi, tais-toi. Par contre, là, hop. Mais je pouvais pas faire autrement, vous l'avez bien vu. Soit je fonçais dans le vaisseau, soit je fonçais dans ça. Ou soit je suis un pro. Oh, je suis rentré dans le vaisseau. Je crois que la barre elle est à droite, la barre de vie du chasseur. Enfin, la barre de destruction plutôt, la barre de vie. Quoi, il perd autant que ça? Mais sérieux, c'est la barre de vie ça?
Non. Non. Attends, je peux aller sur l'eau. Oh génial, regardez. Oh c'est génial. Waouh. Je pouvais pas faire autrement. Cela ne se fait pas. Bon allez, là j'essaye de bien le faire là. Pas un peu comme ça. Et c'est le château là en dessous, non? Attends, deux secondes. C'est le château. Bizarrement dans le set, hein, tu t'entendais avec Maz. Hein. Apparemment c'est plus puissant ça. Escouade Inferno, suivez-moi. Un chasseur ennemi se dirige vers le général Solo. Je le vois. Les torpilles à protons sont armées. Excessif, mais efficace. Ouais, efficace, c'est sûr. On est en train de se détruire là. Pas vu l'explosion, allez là. Michael Bay a produit ce film. Ce qui est parfaitement faux. C'est bien, c'est qu'il n'y a pas de bug de graphisme avec ça. Toi, t'es bien à mon buveur aussi. Mais bon, déjà, qu'il rajoute un mode histoire, c'est génial. Surtout, un comme celui-là, il est génial aussi. Au revoir. Elle promet qu'il m'embête. Non. Oh. Il est lourd le faucon, c'est ça le problème. Je parie qu'après avoir fini la mission avec le faucon là, quand j'ai fini avec le faucon, je vais obtenir un trophée parce que la mission est finie. Je le sens, mais c'est tellement logique. Mais sinon, pas pour moi. Miaou. Eh, par contre, remonte. Remonte. Waouh. Mais c'est qui me fait ça? Remonte, redresse. Terminé pour toi. Vraiment, c'est les deux derniers. J'espère vraiment que c'était le dernier, Solo. Je voulais pas faire ça. Non. Non. Ta-da-da. Ça a marché. Apparemment, je crois. Ils disent de détruire les TU et pas le vaisseau, donc là ça devrait être la fin bientôt. Il faut beaucoup plus vite que moi par contre. Regardez ça, regardez la vitesse quoi. Je peux pas faire quoi, rien du tout. Voilà, là c'est les deux derniers. Lui et le dernier. Voilà. J'espère vraiment que c'est le dernier, Solo. Allez, on va refaire à piquer. Non, je déconne, allez, j'arrête. Allez, fiche le camp. Ok. Solitaire, général. On va vous escorter jusqu'à la flotte. Au moins, elle est gentille, Aiden. En fait, j'avais autre chose en fait. Chewie vous envoie les coordonnées. Je voulais dire Aiden. On là-bas. Trophée obtenu. Est-ce que j'avais raison? Mais surtout, faites bien attention. Apparemment, non. Ne t'inquiète pas. Tu ne peux pas te débarrasser de nous aussi facilement.
Ah, trophée obtenu, général en détresse, j'avais raison. Non, sérieux, Del, je sais pas ce que t'as fait à ce droïde, mais y'a un truc qui cloche. Je vais réparer, c'est tout. C'est pas ma faute s'il t'aime bien maintenant. Escouade Inferno. Shreve, on ne s'est pas revu depuis que Lando vous a confié cette mission. Vous allez bien? En merveille, sénatrice. Vous vouliez me parler, commandant? D'après les informations de Paldora, il faut croire que mon père aurait mené des opérations sur Bespin et Sulust. Je vous demande la permission de le traquer ainsi que de l'arrêter. Vous n'êtes pas sous mes ordres, Del. Il est fort probable que le commandement désapprouve une mission à caractère personnel. Ah, eh bien. On ne peut pas laisser un amiral impérial renforcer sa flotte, n'est-ce pas? J'apprécierais que vous l'arrêtiez. L'autre, il se faisait embêter avec le robot. Oui, à vos ordres. Et que la force soit avec vous. Et avec votre esprit. Amen. Bespin. Oh oui, la cité des nuages. Les projecteurs couvrent toute la cité. Ask sera dans la tour du protecteur à la station de Chinook. Il faut rester dans les nuages pour ne pas se faire repérer. Ok, directement, je reprends comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce gros truc? Si on arrive à le capturer et par contre, c'est qui qu'on joue là, c'est Eden? Ce sera un sérieux coup dur pour l'Empire. Faut pas tirer. Oh là là. Une habilité, elle est géniale. Si on a de la chance. C'était fait exprès, hein, vous inquiétez pas. D'après vous avez fait manquer une phrase en fait, c'est ça. Ravitaille sa flotte de la station Chinook depuis des mois. Notre vieil ami Ask supervise l'opération. Si c'est comme moi, lui, devant. Eh ben non, ça l'est fait, c'est parce que c'est moi qui le fait. Ce sera un sérieux coup dur pour l'Empire. Sans oublier que l'Ask pourrait enfin nous permettre de retrouver l'amiral. Si on a de la chance. Ce n'est jamais une simple question de hasard. Ça, c'est Bespin, par contre. Regardez un peu tous ces belles dots. Qu'est-ce que c'est que ça? Je trouve ça mignon d'étudier la faune d'une planète avant de la visiter. Et s'ils produisent le gaz Tibana dont l'Empire a besoin, les Beldons se sont une priorité. Si vous le dites. Vous savez, qu'est-ce qu'il fait, lui? Votre père et l'arrêter, on va se croûter. Ce sera un grand pas vers la fin de la guerre. Ok, faut aller là-bas. Je sais que ces derniers mois ont été difficiles. Mais nous l'aurons cette fois. Je le sens. Ça, je n'en doute pas. Mais je me demandais ce qui allait se passer ça après. Ça forme une bouche. Non, la guerre sera finie. Est-ce que je peux exploser? Je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Je pense que oui. L'entraînement impérial ne vaut pas grand-chose dans le secteur civil. Je voulais tester. Et ça m'en met où? Je vous déteste, vos checkpoints. D'après les renseignements de Paldor... Je me demandais ce qui allait se passer après. Quand la guerre sera finie. Honnêtement, je n'y ai pas beaucoup réfléchi. L'entraînement impérial ne vaut pas grand-chose dans le secteur civil. Et vous? Moi, je voudrais voyager. Parcourir la galaxie. Lothal, Mikapo. Vous y êtes déjà allé? J'étais soldat à l'époque. J'aimerais revoir ces mondes libres. Je crois que c'est une très bonne idée. Ok, j'ai dû tout me retaper. Comme vous avez pu le voir, il y a passé devant moi, parce que moi, je suis passé quelque part d'autre. Donc ça, je sais, on doit pas percuter ça. C'est juste que c'était des lianes, moi, un truc comme ça. C'est des algues? Non, c'est pas des algues. Voilà la plateforme d'atterrissage. C'est une palme de calamar. Je ne sais pas comment on appelle ça. Je sais. Non. J'ai pu... m'en fous. Ah, voilà Bespin. Ça a bien changé aux alentours. Hein. Ah, je suis pas sûr que c'est Bespin. C'est grand, hein, si c'est Bespin. Cinématique. C'est logique. C'est bien Bespin. Oh, regardez, ce robot il a changé.
Et maintenant, on la joue en nouveau perso. Voir un coup ton nouveau style. Oh, elle veut pas me montrer. Bah, moi, je vais me suicider. Hein. C'est parti. Wouhou. Ça me faisait plaisir. En tout cas, les amis, ça va être la fin de cette vidéo. Bonus, délai de réutilisation, toutes vos capacités bénéficient. Ok, je m'en fous. C'est la fin de cette vidéo. Je suis désolé pour vous, mais en tout cas, je dois arrêter cette vidéo, sinon ça va faire trop longtemps. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner si ce n'est pas fait, à lâcher un petit commentaire aussi. Et aussi, il y a ma page Facebook si vous voulez aller voir toute l'actualité. Et on se retrouve.